Là, hola, deuxième live, ouais, deuxième live, mais petit live. Pourquoi tu live? Bah, j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire de la solo queue. Tu passes ta journée sur Valo aujourd'hui? J'ai passé ma journée sur Valo, littéralement. Hier aussi, hier aujourd'hui, j'ai passé ma journée sur Valo, littéralement. Non, ça date, tu dates, ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, le chat. Comment ça va, vous, le chat? Ça fait, putain, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. J'espère que vous allez bien, par contre. Hein. C'était bien, Lotus? Franchement, la map, elle est trop nulle dans l'attaque. Faut la changer. Elle est bien en défense, mais c'est que en bien en défense. Et là, elle est trop nulle. Attendez, on peut voir ton inventaire, bien sûr. Vous voulez qu'on fasse un petit tour dans mon inventaire? Petite de YouTube. Salut, tu as vu que certains streamers commencent à migrer vers le plateforme. Nanana, parce qu'ils vont prendre une partie du marché du stream. Non. Twitch sera imbattable. Peu importe le nombre de plateformes de streaming qui va sortir. Le seul concurrent de Twitch, c'est YouTube en termes de streaming. Mais Twitch restera toujours le number one, je pense. Bon, petit tour de ma collection, vu que c'est tant demandé. Alors, voici ma collection. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai mis à peu près 600 euros sur le jeu. À peu près 600 euros sur le jeu. Je suis pas sûr. J'étais à 500 et quelques, mais je crois que je suis à 600. Pourquoi j'ai autant d'argent dépensé dans le jeu? Parce que j'ai acheté pas mal de persos sur le jeu pour de l'argent. Et j'aime bien avoir le personnage le plus vite. J'aime pas, moi. J'aime pas attendre. En tout cas, dans les jeux, si je peux débloquer le personnage le plus vite, j'achète. Surtout que je suis créateur de contenu, donc c'est une petite excuse. Donc, voici les skins que je possède classiques. Prime classique. Après, c'est beaucoup de classiques Battle Pass. Comme vous le voyez, tout ça, c'est Battle Pass. Voilà. J'ai juste Prime classique et tout le reste, c'est Battle Pass. Shorty, c'est que du Battle Pass. J'avais acheté un skin Shorty. Je vois même pas les gens qui achètent des skins Shorty. C'est vraiment des gens riches, ça. Impossible, t'es minimaliste. C'est vrai. Ensuite, Frenzy. Pareil, hein. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Celui-là, c'est celui de Neon que j'ai débloqué. Pour moi, c'est le meilleur Frenzy. C'est mieux que celui des Battle Pass. Celui de Phoenix, c'est un peu avec des flammes et tout, la flamme, tu vois. Ensuite, Ghost. Bah, River Ghost. En vrai, j'ai pas beaucoup de skins. On se demande comment j'ai dépensé 600 balles dans le jeu. Parce que j'ai que du Battle Pass, en fait. Et tout le reste, c'est Battle Pass, à part le River Ghost. Sheriff, par contre, j'ai Singularity. Meilleur skin du jeu. Si je dois garder un seul skin dans le jeu et revendre tous mes autres skins, bah, c'est celui-là que je garde. Parce que pour moi, c'est mon skin préféré du jeu, celle-là. Juste pour le bruit et tout. Et à part ça, tout le reste, c'est Battle Pass, 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 Battle Pass. Et Battle Pass. Et tout le reste, c'est Battle Pass Tinger. En fait, c'est que Battle Pass, hein. Voilà, Battle Pass. On m'a demandé ma collection, mais en fait, y a pas Battle Pass, y a rien. Comment j'ai mis 600 balles dans le jeu? Même moi, je me pose la question, là. Bulldog, bah, Battle Pass. Ils sont partis où, mon argent, en fait? 600 balles. Pour avoir que des skins Battle Pass. Ah, là, on arrive à du lourd. Là, c'est du lourd. On a Oni, déjà, Phantom Oni. Je pense que sur la fantôme, c'est le skin, c'est l'arme où j'ai le plus de skins. Parce que je trouve que les skins fantômes sont les mieux réussis du jeu par rapport aux Vandal et compagnie. Du coup, j'ai déjà Oni Fantôme. J'ai ça. Abyssal Fantôme dégueulasse. Mais je l'ai acheté pour, voilà, pour créer du contenu. Battle Pass. Battle Pass. Chrono Void Fantôme. Ah, mes skins fantômes sont top tier. Hein. Battle Pass. Battle Pass. Protocol Fantôme. Incroyable. Mon fantôme coup de cœur du jeu. Et ensuite, Phantom River. Pour moi, c'est le meilleur skin fantôme du jeu. Et Phantom Recon ensuite. Je l'avais acheté il y a longtemps. Je ne l'ai pas beaucoup joué, mais il est sous-côté ce skin-là. C'est la Phantom RGX. On a Phantom Battle Pass, Serenity. Et ensuite, on a encore un skin fantôme, Singularity. C'est pas fini. Et après, j'ai plein d'autres skins. Ah, celle-là aussi, je l'ai acheté. C'est pas Battle Pass. Soulstrike fantôme. Ça, c'est Battle Pass. Battle Pass. J'ai beaucoup de skins fantômes. Hein. En fait, tout mon argent, il est parti dans les skins fantômes. Et je pense même que je suis plus un joueur de fantôme que Vandal. Avec du recul, en vrai. Ensuite, Vandal. Par contre, Vandal, j'ai moins de skins. Mais j'ai un skin qui est rare. J'ai Vandal River, déjà. Pour moi, c'est le meilleur Vandal. Peut-être le nouveau Vandal qui va sortir là bientôt. Il sera peut-être meilleur que celle-là, mais je pense que River, ça reste quand même devant. Ensuite, c'est des skins basiques. Battle Pass. Champions. Champions, bah, fallait l'acheter pendant les Champions en 2021. Maintenant, tu peux plus l'avoir. Du coup, c'est vraiment un skin rare. Ça, j'ai acheté aussi. Crimson Beast Vandal. Je sais pas pourquoi. Mais ouais. Riostasi Vandal. Je pense une des Vandal les plus sous-cotées actuellement. En 2023, là. Iron Vandal. En vrai, j'ai pas mal de skins Vandal quand même. Kitek Vandal. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Oh, Prime Vandal. Je crois que c'est mon tout premier skin de Vandal que j'ai acheté sur le jeu. Et pour le coup, c'est le skin avec lequel j'ai le moins joué du jeu. Je sais pas pourquoi. Une popular opinion. La plupart des joueurs de Vandal, ils aiment bien Prime Vandal. Mais moi, quand je le joue, j'y arrive pas. Sauf quand je la ramasse par terre. Quand je ramasse un skin Prime par terre, je suis trop fort. Mais si je l'équipe, bah, je vais dégueulasse avec. Du coup, je le joue pas. Et après, tout le reste, c'est Battle Pass. Une Vandal, qui est sorti avec Rune Dagger d'ailleurs. Et Battle Pass. Marshall, on a vite fait le tour.
Voilà. Battle Pass. Opérateur. Battle Pass. En fait, c'est Battle Pass. Il n'y a que ça, en fait. Ares. BP. On va dire BP parce que j'en ai marre de dire Battle Pass. Je pense que je l'ai dit au moins 10 millions de fois. Que des skins BP. Ares. Que des skins BP aussi. Ça, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est... Regardez ça. Cobra. Voilà, que des skins BP. Ensuite, on arrive au couteau. Celle-là, ça m'a été offert un petit peu par les abonnés. En vrai, c'est le couteau des abonnés. J'ai mis 50 et les abonnés, ils ont mis 50%. On a fait 50-50. C'est pas parce que je suis un rat, hein. C'est parce que le chat m'avait forcé à l'acheter. Enfin, forcé un truc. Forcé, on m'a forcé à acheter le couteau quand même. RGX, les abonnés m'ont fait des. Ils m'ont donné des subs, ils m'ont dit ouais, mais 50% t'achètes le couteau. Du coup, ils m'ont forcé quoi. Le reste, c'est que des skins Battle Pass. Mais c'est des bons skins Battle Pass, c'est les couteaux, tu vois. C'est des couteaux rares que tu pourras plus avoir. Parce que la particularité des BP, bah, c'est que c'est des skins que tu farmes. Et une fois que tu les as récupérés, bah, tu pourras plus l'acheter. Donc, au moins, ça montre que t'as joué au jeu depuis longtemps, tu vois. Celui-là, Genesis Arc, ça fait penser à Thanos, je sais pas pourquoi. Petit Blade, couteau. Petit Kitek Blade. Couteau basique, Rune Dagger, Soul Strife, pire couteau d'un Battle Pass, c'est celui-là, en plastique, pâte à modeler, pire couteau du des Battle Pass. Après, on a celle-là qui est sous-cotée en vrai. En vrai, il passe. Et on a ça, Velocity 40 bits. Moi, j'aime bien les 40 bits. Enfin, voilà. Velocity 40 bits qui est vraiment clean. Et c'est tout, hein. Attends, mais il manque un couteau. Rune Dagger, je l'ai passé comme ça. Rune Dagger, le chat, vous pouvez plus l'avoir. Et je crois que c'est le meilleur couteau Battle Pass, celui-là. Comment je l'ai passé comme si c'était de la merde? Ça, là, c'est incroyable. Pour moi, c'est vraiment l'une des meilleurs couteaux, tu vois. Malgré qu'il y a beaucoup de couteaux, c'est l'une des meilleures couteaux du jeu. Il n'y a pas photo. Surtout vu sa rareté. Et ensuite, niveau carte d'agent, j'en ai beaucoup. Un des trucs que je kiffe sur Valorant, c'est les cartes d'agent. C'est pourquoi j'achète les Battle Pass. Du coup, j'ai plein de cartes d'agent. Et franchement, si je fais le tour, j'en ai pour toute l'année 2023, je crois, hein, si je fais des tours un par un. Mais mon carte d'agent préféré, évidemment, c'est celui avec Phoenix. Partout où il y a Phoenix, c'est mon carte d'agent préféré. Comme celui-là que j'avais mis pendant très longtemps. Mon carte d'agent préféré, il est où? Pourquoi je fais le tour? C'est celui-là. C'est le VCT Champions. On peut l'avoir, on peut l'acheter pour. On peut l'acheter pendant l'année 2021, pendant les Champions. Il y avait Phoenix dessus, t'avais Sage, t'avais Brimson. Et moi, ça aussi, c'est un abonné qui me l'a offert. En fait, moi, on m'offre des trucs. Du coup, on m'a forcé à l'avoir en cadeau. Du coup, voilà, impossible à retrouver maintenant. Pour tous les main Phoenix qui rêvent d'avoir cette carte d'agent, bah, vous pouvez plus l'avoir. Il est unique. Du coup, j'ai mis 600 balles dans le jeu. Donc, dites-moi comment c'est possible d'avoir mis 600 balles dans le jeu et avoir si peu de skins. J'ai l'impression que tout mon argent est parti dans les skins de fantômes. Fantômes et Vandal, mais surtout fantômes. D'épée de quelle saison? En vrai, je sais pas. J'ai que des skins du Battle Pass, mais quelle saison, je sais pas du tout. Après, les skins sont chers dans ce jeu. Sont trop chers. Sont trop chers. Mais c'est pas le jeu où les skins sont les plus chers, je crois. C'est quoi League of Legends? Je crois League of Legends, je crois c'est 10 euros un skin. Mais ça dépend des skins. Il y a des skins, c'est plus cher. Hein.